no me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué. Bonjour à tous, bienvenue pour le nouveau journal télévisé. Nous sommes sur la place Zocalo, en plein centre historique de Mexico. Donc aujourd'hui c'est la journée de repos. Les joueurs viennent de jouer 4 rondes. Avec l'ange qui veille sur Viswanathan Anand et Vladimir Kramnik. Les deux joueurs sont à 2,5 sur 4. Vladimir Kramnik n'a pas réussi à gagner hier contre Grishuk, qui avait une position écrasante. Et on l'a vu à la conférence de presse complètement dépité. Il a refusé d'ailleurs plusieurs interviews. Viswanathan Anand a été également un petit peu déçu car il n'a pas réussi à l'emporter avec un pion de plus contre Morozevic. Il y a deux joueurs un petit peu au fond du gouffre, je dirais, c'est Peter Seidler et Leko. Leko joue très mal ses 4 premières parties. J'en ai discuté un petit peu avec Andrei Chekachev, qui est le secondant d'Alexander Grishuk. Eh bien, il joue mal, il a fait 3 nuls un petit peu à l'arrache et il a perdu hier contre Aronian. Donc, il y a 4 joueurs à 50%. Voilà un petit peu pour cette journée de repos. Rendez-vous demain, les hostilités reprennent. Nous allons continuer à vous donner de plus amples informations, des interviews, des résumés des conférences de presse et bien d'autres choses encore. Donc merci à tous et appréciez la vue. À bientôt.